Clôture ce mercredi 23 novembre par Madame Kiloubou Koutouna, vice-ministre de la Défense, de deux journées portes ouvertes lancées à marge de la commémoration du 104e anniversaire de l'armistice à République démocratique du Congo au rond-point force publique. Ces deux journées ont connu la participation de plusieurs personnes venues apprendre l'histoire des anciens combattants congolais de la Première Guerre mondiale. Avant de procéder au lancement de ces journées portes ouvertes, la vice-ministre de la Défense a rappelé que la célébration du 104e anniversaire de l'armistice s'est déroulée au moment où le chef de l'État est entièrement préoccupé par la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour sa part, le secrétaire général à la Défense, le général-major Kabwanga Kasséou Symphorose, a retracé l'historique glorieux de la force publique. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, les anciens combattants, les retraités et les défendants, par et tous, ceux de la République démocratique du Congo, sont prêts à suivre attentivement les messages de son excellence madame, la vice-ministre de la Défense nationale, représentant personnel du ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Avant que je clore ces propos, je porte à votre connaissance que son excellence madame la vice-ministre de la Défense présidera la cérémonie de l'armistice et procédera aussi au lancement de la journée des portes ouvertes ce mardi. Et la clôture interviendra le mercredi 23 novembre 2022 dans l'après-midi, compte tenu de son agenda chargé. Et vive la République démocratique du Congo. Et vive le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Et vive les forces armées de la République démocratique du Congo. Et vive les anciens combattants. Et Dieu vous bénisse et vous remercie. Avant de déclarer clos ces journées portes ouvertes, Madame Kiloubou Koutouna a invité les vaillants militaires des forces armées de suivre l'exemple de leurs aînés avant de procéder à la remise des dons vivres aux vétérans et quelques retraités. Visite pédagogique a été organisée à l'intention des stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa le lundi 22 novembre à l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et à la force terrestre. À l'état-major général, les stagiaires ont suivi trois exposés axés respectivement sur la place, et le rôle de l'état-major, l'administration et la logistique militaire. Pour d'amples précisions, les stagiaires ont posé beaucoup de questions prises en compte par les intervenants. À cette occasion, le lieutenant général Tchiwo Essongecha Christian, chef d'état-major général des FARDC, a exhorté les stagiaires de mettre en pratique les notions apprises afin de relever les défis qui guettent l'armée. Les tout s'oriente sur un point, le commandant. Un commandant, c'est celui d'abord qui a la connaissance de la matière, comme vous. Vous devez avoir la connaissance, raison pour laquelle vous êtes stagiaire, la connaissance de la matière militaire. Vous devez aussi avoir le contrôle de la gestion de tout ce qu'on met à votre disposition. C'est très important. Je vous exhorte à ça et de travailler encore beaucoup plus fort. Travaillez dur parce que la nation a besoin de vous. J'aimerais que lorsque demain vous serez responsable quelque part, que vos responsables d'aujourd'hui, de l'école de guerre, vous suivent partout et vous posent la question de quoi s'agit-il, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, vous faites quoi par rapport au cours. Mais je voulais vous donner un devoir. Étudiez sur la problématique de l'accord de la République démocratique du Congo sur le plan militaire au sein des
des organisations sous-régionales, notamment la CEAC et la SADEC. Le général-major Mouland Maouej Godefroy, commandant de l'école de guerre de Kinshasa, a remercié le chef d'état-major général et ses collaborateurs pour les échanges fructueux. Nous nous sentons honorés. Merci mon général. Et il me reste encore à souhaiter de longues vies et plein succès. Et nous sommes derrière vous pour soutenir mon général pour la réussite de la mission qui va être confiée par le commandant supérieur. Je vous remercie. La visite des stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa s'est poursuivie à la force terrestre où ils ont été accueillis par le général-major Inunga Mpeko Edmo. Les missions de la force terrestre, son organisation et son fonctionnement ont été expliquées aux stagiaires. Six stations de forage d'eau avec une capacité de stockage de 60 000 litres par jour construites au centre d'entraînement de Kibumango par la société Visuri Group ont été inaugurées ce mardi 22 novembre 2022 par le chef de la maison militaire du chef de l'État, le lieutenant-général Bwamunda Tumba Frank. Cette œuvre, don du chef de l'État pour alimenter les cadres et les militaires en formation en eau potable et purifiée, fonctionne en énergie électrique et solaire. Après la coupure du ruban symbolique, le chef de la maison militaire du chef de l'État a appelé les commandants du centre d'entraînement des Kibumango à la gestion responsable de ces stations. C'est vous les consommateurs. Je vous exhorte à la gestion responsable de cette station. Le directeur général François Berthelot de la société Visuri Group revient ainsi sur la particularité de ces stations. Premièrement, on a fait du forage avec des pompes qui sont solaires, qui viennent d'ailleurs d'Europe, j'insiste, parce que c'est vraiment des choses puissantes et de très bonne qualité. Avec des panneaux solaires, c'est-à-dire que même en cas de coupure de la SNEL ou même de faible force du courant, j'allais dire, les panneaux solaires sont toujours là pour compenser ça. Donc on peut toujours extraire de l'eau à tout moment, sans, même s'il n'y a pas d'électricité. La première chose. La deuxième chose, c'est les machines de purification. Après l'étape de Kibumango, le centre d'instruction de Kitona sera bientôt doté en équipement analogue. Ceci pour permettre aux milliers de recrues déjà sur place de suivre la formation dans de bonnes conditions. Visite inspection du commandant de la 14e région militaire au poste de commandement de 1401e régiment à Maloko. Le général-major Kizi Mumbu Yustazin a conféré le mercredi 23 novembre 2022 avec quelques officiers de cette unité engagés dans les opérations de pacification du conflit interethnique Tekeyaka. La discipline et l'esprit de corps ont été au centre de ces entretiens. Une unité qui n'a pas de discipline est comparable à un troupeau qui n'a pas d'équipe. Il n'a pas de guide. Yango, dans le Bacabicolonion, quand nous on grandissait, on nous disait, nous, moi j'ai grandi dans des camps militaires parce que mes oncles étaient en majorité des militaires. Juste après, le commandant 14e région militaire est allé présenter ses civilités au bourgmestre de la commune de Maloku, M. Jacques Munze. Cette visite s'est clôturée par une séance de photos souvenirs. La visite d'évaluation des positions des unités de la 14e région militaire engagées dans les opérations de pacification dans le cadre du conflit Tekeyaka a été effectuée par les commandants de la 14e région militaire. Dans cette mission, le général-major Kizimo Mbuyustazin a visité la localité de Kinzono, située à plus ou moins 13 km de la route principale, ainsi que la localité de Mampou, située à 30 km de la nationale numéro 1. Partout où il est passé, les commandants de la 14e région militaire et commandant place civile province de Kinshasa s'est entretenu avec les notabilités de la place et a tenu une causerie morale à l'intention des troupes engagées dans ces opérations. S'adressant aux militaires, le général-major Kizi Mustazin a insisté sur la discipline, le travail bien fait et les relations civilo-militaires.
Oh, ton côté là, armée, ton lobby, toke, kotsale la mboka, yaliboso. Armée, ezali wana, pona kobate la mboka, nandelo nango, nyonso, etika la kaka ndenge, ezalaka. Toyokani? General. Yango, tambo biso tozali, ah, subazali na est, kuna makambo ya nyamu nyamu, ezali. Pona ko defendre mboka. Armée, ezali na mission. Ya combattre la population na biloko na ye nyonso. Est-ce que toyokani? Oui, général. Alors, ce qui est armé, ezali na mission wana ya combattre la population. Ezali na mission ya combattre la biloko ya population elingi koloba armé ndenge tozali awa toye na mission na biso parce que population na biso ezalaki en détresse. Ezokima Batu oyo mabe bazo ya babo mabango. Ezali kutu munguna te, ezali kaka bakongole, bandeko na biso, babungi. Bakomi kosa atake na bakongole, mosus ase momala. Arme ilfo e ya, epe kisa biloko wana, epui makambo wana esila, population na biloko na bango, bavanda na ki, na kimia. Eske toyokani. Yango na pesi bino longonya, paske na leki, pratiquement, Ko banda kuna ti awa na yeko kuta bino na centre ya Mampu, témoignage ezali malamu pona bino. Alors, il faut okoba na ndenge wana ya musala. A la population, le commandant de la 14e région militaire a exprimé sa gratitude pour le retour de la paix. Eloko mususu ekoya lisusu te, kimia ezali. Oui. Touti kuna na frontière ya Bandundu. Il faut boyeba que mokonzi ya mboka. Azola la te pona makambo wana yango a dépêché biso est-ce que tango bino bozongi mutu akufi bozali te bozali boyebisa ba oyo bakendaki bazonga kimiesi ekoti toye na mampu mais soki totali mampu awa baswahili bazali bakongo bazali bangala bazali est-ce que baluba bazate bazali. Au terme de cette visite, le général-major Kizi Moustazin s'est confié à la presse. Je suis venu justement pour une visite d'inspection. Comme vous le savez, il y a un conflit que nous appelons Teke Yaka qui a vu le jour ici il y a quelques temps et cela a provoqué les mouvements des populations. Il y a même des villages qui ont été vidés de leur population. Et cela n'a pas d'importance dans notre nation. Voilà pourquoi nous avions estimé que, sur ordre de l'autorité suprême, nous devrions, n'est-ce pas, nous rendre dans cet axe. Et d'ailleurs, nous sommes dans la profondeur ici, hein, ça c'est le centre de Mampou. Vous êtes témoin, il y a presque tout le monde ici, j'ai causé même avec la population. Donc la quiétude est revenue. Et donc voilà l'objet de notre visite. Nous voulons aussi profiter de cette occasion pour voir comment réajuster, n'est-ce pas, le déploiement de nos hommes. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens reviennent et que demain qu'ils fuient encore. Nous voulons que la population soit rassurée de la présence de militaires et beaucoup plus de leur bon travail. Voilà pourquoi nous sommes en train de visiter les positions, nous sommes en train d'entrer en contact avec les chefs coutumiers, et nous entrons en contact avec la population elle-même, et nous entrons en contact avec le chef militaire qui sont déployés ici, de manière à ce que nous puissions pénétrer la réalité sur terrain. Nous sommes heureux d'apprendre que les gens sont calmes. Il ne faut jamais suivre les pêcheurs à nos troubles. Vous savez, Kinshasa est nourri par des rumeurs de toutes sortes. La réalité est ailleurs. Quelqu'un s'improvise avec du mensonge. Nous ne sommes pas là. Kinshasa est calme. Il n'y a pas de souci. Les gens peuvent vaguer à leurs occupations. Et ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Moi, j'ai quitté Kinshasa. En tout cas, il n'y a rien qui m'est arrivé. Je suis ici dans la profondeur de Kinshasa. Ça, c'est le plateau des Batekesh. Et plus loin, là, à la frontière avec Bandundu, je suis là. La paix est là, Kinshasa est en paix, et chacun devra vaguer à ses occupations. Comme dans
Bitide. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Louboyan Kachoma Johnny, a pris part à la marche d'endurance physique et morale avec les unités de la 32e région organisée chaque samedi en ville de Bounia, en toute discipline. Coiffés en béret vert, rouge et noir, tous en bottines noires, les voyants militaires de FRDC ont quitté l'état-major de la 32e région en passant par le lycée Tchem Tchem, repoint Kappa, repoint pique-nique pour atteindre les quartiers situés à l'est de la ville de Bounia. Objectif, rassurer la population sur sa sécurité et la mettre en confiance pendant cette période de la mobilisation générale lancée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC, à Ituri. L'objectif, comme nous l'avons toujours dit, c'est être en forme par rapport à notre mission de défendre l'intégrité du territoire national. Il faut être fort physiquement et moralement. Et en toute discipline, en toute harmonie, nous voulons montrer encore une fois, nous avons la volonté de combattre, le vouloir combattre et le pouvoir combattre. Tout ceci pour défendre l'intégrité du territoire national et c'est ça notre mission régalienne. Pour le faire, il faut être en forme physiquement et moralement. Le travail sous le drapeau en cette période nous demande l'endurance physique, nous demande le patriotisme ainsi la discipline. Cette marche d'endurance physique créée dans le chef des militaires l'esprit des corps, la tolérance mutuelle ainsi que la volonté, le pouvoir et le vouloir combattre, telle est l'exigence à observer par chaque élément de FRDC conformément aux us et coutumes du métier. Des armées. Mama yo, ayo, mama yo. Le général des brigades Mabosso Hassan Bajon Ladis est le nouveau commandant de la 33e région militaire adjoint en charge de l'administration et logistique. Il a été présenté à la troupe le vendredi 18 novembre par le commandant région, le général-major Yav Avoul. C'était au cours d'une parade mixte police et FARDC. Lors de sa présentation, le commandant de la 33e région militaire a appelé les hommes en uniforme de prêter main forte au général des brigades Mabosso Hassan Bajon Ladis dans l'exercice de ses fonctions. Le nouveau commandant région adjoint en charge de l'administration et logistique vient de la province de l'Ituri où il était administrateur du territoire des Djougou, province sous état de siège. Signalons que le commissaire provincial de la police au Sud Kivu, le général Jean-Bernard Bazingué, et ses deux adjoints ont pris part à cette parade tenue au camp militaire Sayo en commune d'Ibonda, ville de Bukavu. Décédé à la suite d'une courte maladie, le commandant de la 12e brigade de réaction rapide, Bassé Aminembwe, Patrick Eopia Bondani, a reçu les derniers hommages de la part de ses compagnons d'armes et des autorités civiles, avec en tête le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidjekassi, des noirs vêtus, cravate sombre, en signe de deuil. Affligé et compatissant, le gouverneur Théo Ngwabidje avance lentement mais sûrement afin de déposer sa gerbe de fleurs dans une attitude de requiem. Une façon pour l'autorité provinciale d'honorer la mémoire de ses vaillants commandants. La disparition de Patrick Eopia Bondani, c'est une perte énorme de ce véritable patriote qui a servi son pays avec amour pendant que la nation congolaise tout entière avait encore besoin de lui en ce moment de guerre où l'armée congolaise fait face à l'agression étrangère au Nord Kivu. Le cercueil enveloppé, couvert du drapeau du pays, avance sous le regard ébahi des membres de sa famille, collègues officiers des FARDC, amis et connaissances, à qui le gouverneur Théo Ngwabidje a présenté ses condoléances les plus émues et de son gouvernement, tout en indiquant que l'illustre disparu a été reçu au cabinet du gouverneur pour faire rapport de la situation sécuritaire de Minembwe il y a tout juste 6 jours. Ces derniers ont à leur tour remercié le représentant du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise en province, le gouverneur, pour son assistance et accompagnement en ce moment douloureux. À l'aéroport national de Kavumu, deuxième étape de la cérémonie où le corps du regretté a été embarqué dans un hélicoptère pour sa dernière demeure à Kinshasa. Originaire de l'Équateur,
Le général de brigade Patrick Opiabondani laisse une veuve et plusieurs orphelins à qui le gouverneur Théo Ngwabidje a remis une enveloppe. L'histoire retiendra que le général Patrick Opia a travaillé pendant 25 ans à l'est du pays pour défendre l'intégrité du territoire national. La décision a été prise de présenter vendredi 2 décembre 2022 les réquisitions de l'auditeur général ministère public dans l'affaire qu'il oppose au général-major Ijilayav Jean-Luc, ancien commandant de la base logistique centrale et consort. C'est au cours de l'audience de la haute cour militaire présidée vendredi 25 novembre 2022 au nouveau palais de justice à Kinshasa-Gombe par le lieutenant-général Mutombo Katalay Tiende Joseph. Dans cette cause, le ministère public, représenté par le général-major Bivege Tepinga Solo-Jean, poursuit au total 11 prévenus accusés de détournement de véhicules, dissipation et vol de biens appartenant aux militaires, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, soustraction frauduleuse des camions et camionnettes appartenant à l'armée et violation des consignes. Toujours à l'audience du vendredi dernier, la haute cour militaire a reçu le serment de deux nouveaux juges non revêtus de la qualité de magistrat. Il s'agit des généraux-majors Kinkela et Ifondo qui ont juré devant Dieu et la nation de remplir loyalement leurs fonctions de membres de cette juridiction, d'en garder le secret des délibérations et de juger les personnes traduites devant eux sans crainte, sans complaisance, avec la seule volonté d'exécuter la loi. Avec les deux assermentés, la composition de la haute cour militaire affiche désormais complet dans cette affaire. En commémoration de la 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Antenne de Dungu, a organisé une conférence de presse. C'était le vendredi 18 novembre 2022 à l'espace Interagence des Dungu Centre du territoire qui porte le même nom dans la province de Haute-Uele à l'intention de la presse locale. Toutes les couches sociales étaient représentées, dont les secteurs opérationnels Uele qui étaient représentés par son porte-parole. Au cours de ces forums, l'orateur du jour, Maître Malema Kili Severin, chef d'antenne des CNDH du territoire des Dungu, a brossé les bilans de la situation des droits de l'homme durant les deuxièmes trimestres dans son entité. Dans la foulée, cet activiste des droits de l'homme a loué la bonne collaboration qui existe entre la population locale et l'armée dans la recherche d'une paix durable au sein de la société. Maître Malema a fini son message en appelant les jeunes de s'enrôler au sein de l'armée, tel est le souhait du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet exposé s'en est suivi d'un jet de questions et réponses dans un climat de convivialité. Au sorti de ces assises, Maître Malema et le capitaine Yuma Kinshamba Julie, porte-parole du secteur opérationnel où il est, se sont exprimés. Le 16 jours d'activisme des droits de l'homme, qui naturellement commence le 25 novembre pour se clôturer le 10 décembre, qui est, n'est-ce pas, la journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vais parler de l'armée républicaine, par dessus. Et celle-ci est encouragée, celle-ci, n'est-ce pas, mérite notre soutien pour la défense de l'intégrité territoriale. Nous avons aimé parce que ça fait contribuer de la relation civilo-militaire. Nous, comme armée, nous sommes obligés de travailler avec la population. Et nous avons vu que cette population a notre confiance. C'est pour cela que nous étions invités dans ces assises. Et on a jeté des fleurs à l'armée à ce qui concerne la défense au sein des secteurs opérationnels où elle est. Les droits de l'homme commencent du 25 novembre au 10 décembre de chaque année.